Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening et après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! Et nous revoilà avec le petit pack opening devant nos yeux. Allez, c'est parti, on va commencer avec le coffre d'argent. Donc c'est des petits packs opening que je fais tous les deux jours et on est chaud patate. Non mais voilà, non mais c'est vrai que c'est pas un pack opening énorme. Mais c'est déjà bien, non hein. Voilà, au moins on le fait souvent tous les deux jours. Normalement, s'il n'y a pas de problème, tu fais tous les deux jours. Ça fait un petit pack opening tous les deux jours, ça fait plaisir, tu vois. Donc là on a eu 49 d'or, on a eu 7 mortiers, on a eu une petite roquette. Alors disons que le mortier c'est déjà mieux que la roquette, mais bon, disons que les deux sont pas super. Mais c'est pas très grave, parce qu'il nous reste encore des coffres à ouvrir, et c'est ça la beauté du pack opening, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul coffre à ouvrir, tu vois. Eh bah oui, donc 50 d'or, tu fais toujours ton plaisir mon petit. C'est une roquette, c'est génial. Ah, esprit de feu, c'est déjà un peu mieux mon petit. T'as vu, en plus ça rime, esprit de feu, c'est déjà un peu mieux, enfin tu vois, c'est... C'est génial. Donc du coup 44 d'or. Ah, il y a moins d'or, mais il y aura de meilleures cartes. Allez, 7 barbares, ça fait plaisir. Et une mousquetaire. Et ben voilà, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup d'or, tu sais très bien qu'il va y avoir des bonnes cartes derrière. Bah ouais, tu le sais. Si je parle bizarrement, c'est parce que j'ai un petit peu le nez bouché. C'est pas très grave. C'est comme ça. Ça fait chier alors qu'on en était, hein, mais c'est pas très grave. Je dis ça comme ça. Donc du coup, coffre gratuit. Allez, c'est parti les gars. Il y aura peut-être quelque chose de bien là-dedans. Alors normalement, je suis pas sûr, mais normalement il y a deux coffres à couronne. S'il n'y a pas, bah dans ce cas j'ai le démon et... enfin bon. Donc du coup 59 d'or, ça fait plaisir. Deux gemmes. Ah, petit à petit, on y arrive. Ah ouais, petit à petit. Hein, donc 7 mortiers. Petit tu hein. Tu m'en donnes des mortiers, c'est... Pff, tension. Hein. Et une boule de feu. Bon, à la limite, la boule de feu, ça fait plaisir. Ouais, à la limite, à la limite. Allez, c'est parti, deuxième petit coffre gratuit, les gars. 59 d'or, une roquette, et mais... Oh mais c'est le pack opening, roquette quoi. C'est... Non, rien d'autre. Roquette, roquette, roquette. Waouh. C'est la première fois que j'ai autant de roquettes en une seule... en un seul pack opening quoi, c'est un truc de fou. 7 électrocutions, ça va. Ça, j'ai envie de dire ça va, tu vois. Y a pire, comme les roquettes par exemple. Putain, un truc de fou. Bon, bah, allez, c'est parti, hein. On mise tout sur le coffre d'or, sur le coffre d'or. Attention, 132 d'or, là, déjà, tu vois, tu commences bien, tu vois. C'est normal, c'est un coffre d'or aussi, il faut se dire, hein. Donc, c'est deux barbares, ça commence petit, ça fait plaisir. Et 5 électrocutions. Ah, il garde le meilleur pour la fin, j'en suis sûr. Ah, bah voilà. Et bah voilà. Ah, tu vois, une roquette. C'est comme le bombardier, sauf que le bombardier c'est mieux, tu vois. Voilà. J'aurais dû faire l'inverse. Le bombardier c'est comme une roquette, mais le bombardier c'est mieux. Enfin bon, je me suis trompé, c'est pas très grave. Donc là on a de la boule de feu. Ben voilà. Tout simplement. C'est vrai que j'aurais eu de. Je sais pas, de la Valkyrie ou du cochon. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais la boule de feu, on va dire que ça fait plaisir quand même parce que. Elle a une utilité au niveau de sa puissance. Et au niveau de l'élixir, qui ça coûte pas très cher par rapport à la puissance, disons qualité-prix, ça passe bien, tu vois. Alors du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre à couronne, et on va prier pour qu'il y en ait un deuxième derrière, pour après les combats, pour récompenser nos combats, tout simplement. Donc 46 d'or... ah putain, est-ce que ce délire, là. Je m'attendais pas à ça. Non, 406 d'or, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, donc déjà, ça commence bien, parce qu'on a plus de 400 d'or, et ça, c'est pas mal. Oh, mais j'avais oublié. Ça veut dire qu'on peut améliorer nos gargouilles. C'est génial. Oh, mais on va se faire plaisir. Hein. Oh là là. Allez, deux gemmes en plus. T'aurais pu m'en donner 4. J'aurais pile 400. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, t'as quoi d'autre? 22 électrocutions. Ça fait plaisir. On va dire ça comme ça. Et 24 mortiers, putain. Et t'as pas compris que je m'en fous complet. Je l'améliore pas exprès pour te dire. Et regarde, t'as vu, c'est une carte de merde, je l'améliore pas. Donc m'en donne pas, s'il te plaît. Non, t'as pas compris. Si je l'améliore pas, c'est pas pour en avoir plus. C'est pour en avoir moins, mon petit. Enfin bon, c'est pas très grave. Et donc du coup, ça donne quoi? Cabane de...
S'il te plaît, tu aurais pas pu me donner des barbares à la place, s'il te plaît. Allez. Ouais? Ouais. Non, c'est bon, je ferme ma gueule. Ouais, pas de soucis. Non, mais c'est le jeu, il me disait alors maintenant tu fermes ta gueule, hein? Fais-moi le malin maintenant. Je t'ai donné une bonne carte, tu fermes ta gueule maintenant. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui est vulgaire. Hein. Moi, je fais que répéter ce qu'il dit. Hein. Ah, bah oui. Non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Ah, un petit ballon là. Ah, je m'attendais pas à ça, tu vois. J'ai vu une épique, putain, c'est encore une épique de merde là. Et boum, un ballon quoi. Ah, ça fait plaisir. Hein. Alors, 17 points de vie en plus, ça sera à 190 points de vie, c'est plutôt pas mal. Donc niveau 9, franchement, ça fait plaisir. Après, les dégâts par seconde, 7 en plus, ouais. Donc 84 de chaque. Ok, bah c'est nickel. Donc elles font, ouais. D'accord, elles font 84 dégâts par seconde, c'est pas mal ça. Donc 84 à chaque fois qu'elles tirent. Étant donné qu'elles sont 3. J'ai la flemme de compter, tu vois. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, oh là 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 là. Ça doit faire du 160 fois... Enfin, 160 plus 80, ça fait 240. Ouais, c'est dans les 250 et quelques. Ah, franchement, par seconde, c'est... Oh, mais c'est énorme. Attends, fais voir combien elle fait, elle. Regarde, ça fait encore plus que ça. C'est énorme. C'est un truc de fou. Bon, certes, ça fait du dégât de zone, mais... Enfin bon, ouais, y a les archers, par exemple. Regarde, ça fait 140 à eux deux. Donc, t'imagines, ça fait encore plus que... C'est énorme, 250 par seconde. C'est encore plus que les archers qui sont deux quoi. C'est un truc de fou. Bon, parce que les archers sont à 140 par seconde, t'imagines? Ça fait 100 de plus quoi. Oui bon, arrêtons de papoter. Après ça dure toujours 10 ans ces vidéos, c'est un truc de fou. Ah non, je fais que ça, papoter. C'est bon, je vous dis à tout de suite pour une attaque. Et c'est parti. Et c'est parti les gars, on est avec Beat Paladin. 45, voilà, donc un petit niveau 8. Un petit niveau 8. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça de là. Au moins, ça va me permettre de pouvoir défoncer un petit peu son dragon. Au moins, ça fera un petit avantage, tu vois, dès le début, tu vois, j'aurais défoncé son dragon. Donc, on va attendre. Ok, nickel. Ok, il a fait qu'un seul dégât à la tour, c'est parfait. Regardez-moi ça. J'ai pas trop bien joué. J'en étais sûr que j'avais trop bien joué. On est parti, on envoie les flèches. On envoie les archers. Normalement ça devrait le faire. Ah, il envoie tout ce qu'il peut le monsieur là. Il envoie tout. Oh, il meurt. Oh il meurt. Oh, c'est génial. On peut envoyer ça? Ouais, on peut ou pas? Oh, merci beaucoup. Oh. Waouh. Calmons-nous. T'es sûr que j'ai bien joué là? Bah carrément putain. C'est génial. Et franchement, on se fait plaisir sur le jeu. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. On continue, les gars. N'empêche, on commence super bien. Bon, il y a des fois, j'ai commencé pareil que ça. J'ai super bien commencé dès le début. Puis le mec derrière, il m'a défoncé en 2 secondes chrono. Ça l'a énervé, tu vois. J'aurais fait, ah ouais, tu me défonces. Bah alors là, mon gars, tu vas le payer. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Donc, c'est parti, on va mettre ça là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et voilà, c'est parfait. Nickel. Ok, il y a moyen de le tuer là? Oui! Oh bah oui! Ouais, c'est parti les gars, c'est parti. Non mais là t'as perdu mon gars. Non mais là, je suis désolé, mais t'as perdu là. Là, t'as perdu là, c'est obligé là. Là, t'es chaotiquement mort. Bon, on va essayer de faire du Valky Cochon. Donc, je sais pas ce que ça peut donner. Hop, Valky Cochon. Il a pas. Normalement, il a pas ce que je pense. On va essayer d'envoyer du fil. Ah, il a ça. Dommage. Franchement dommage parce que c'est vrai que ça aurait été plutôt pas mal. Ah bah Valky Cochon n'a rien donné malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Ça arrive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. Et on va envoyer flèche. Hop là. Ah, on est dans la minute spéciale, mais c'est génial. Bah allez, c'est parti les gars, on va tout défoncer. Hein? Bah si, on va tout défoncer. Alors là mon gars. Je vais me faire plaisir. Non mais je vais me faire plaisir, arrête. Attends. Regarde-moi ça. Oh, putain, je vais me faire plaisir. Bah alors là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, mon gars. Tu peux envoyer ce que tu veux. Je vais me faire plaisir, mon petit. Regarde ça un peu. On va envoyer ça. je m'en fous, de toute façon, je vais gagner parce que j'ai pris une de tes tours. Donc j'en ai rien à foutre complet, hein. Et bah voilà. Et bah franchement. T'as raison. Super combat. Et puis, bah... Bonne chance pour la suite, mon petit. Voilà, donc du coup,
Franchement, on s'est fait plaisir là. Oh là là. Et première attaque, ça se passe trop bien, c'est un truc de fou. Ah, franchement, ah, tu vois, j'aime bien quand ça se passe comme ça, tu vois. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est la hauteur de mon deck, tu vois. Ah là là là. Mon deck, il est aussi bon que cette victoire. Ouais, qu'une seule couronne, ouais. Ah, il est pas si bon que ça, finalement. Non, mais je déconne. Allez, c'est parti, je joue là-dessus pour une deuxième attaque. C'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre Stuck, donc qui est niveau 8. Niveau 8, ça fait plaisir, voilà, donc hop, petit sourire, petite bonne chance, en espérant qu'on gagne, étant donné que on n'a pas le Molosse de lave dès le début. Et quand on n'a pas le Molosse de lave dès le début, eh ben, c'est une cata. Mais c'est pas très grave, on va quand même y arriver les gars, parce qu'on est puissant. Ouais, on est puissant, tu vois. On est là, on est de la puissance à l'état pur. Tu comprends les types chiens, je l'étais à pur. Non, mais ça fait plaisir. Donc, d'avoir de la puissance, ça l'était à pur. Hein. C'est ça qui fait plaisir, tu vois. Non, si t'as pas compris, non, on sait jamais. Des fois, peut-être que t'as pas compris. Bon, on va tenter. J'avoue que c'est pas forcément très bon ce que je fais. Mais il a pas l'air d'avoir de flèche ou je sais pas quoi. Ah oui, il a une boule de feu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Enfoiré. Bon, non mais je dis ça comme ça, après je suis sympathique moi, hein, t'inquiète. Hein. J'insulte histoire de dire comme ça. Non mais ouais, c'est vrai que c'est... Ah, j'aime pas quand ça commence comme ça, là. T'as le Molosse de lave qui est au dernier moment quoi. Tu peux pas avoir plus dernier moment que ça. Mais d'un côté, je lui ai fait tirer sa boule de feu, ça c'est pas mal ça. Ah, je viens de réaliser. Je lui ai fait tirer sa petite boule de feu, le petit là. Et ouais. Et ouais. Alors là mon gars. Allez. Valkyrie cochon, on sait jamais. On sait jamais, Valkyrie cochon, ça donne quoi? Oh là 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 là, allez, 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 allez. Valkyrie cochon, s'il vous plaît. Oh, le Valkyrie cochon. Non, mais non, mais non. Mais non, t'es sérieux? Mais t'es sérieux, c'est fait avoir comme un débutant. Mais c'est génial. Mais alors là, je sais pas quoi te dire. T'es sérieux mon gars, je l'ai démembré le mec. Vas-y, tire ta boule de feu, voilà, nickel. Putain, t'aurais pas dû tirer ta boule de feu mon petit. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de tirer la gargouille. Parce qu'il a plus rien pour avoir notre gargouille. Ce qu'on va faire, on va envoyer notre Valkyrie. Au moins il pourra pas vraiment défendre. Ok, ok, hop là, on va envoyer nos gargouilles ici. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. Ok, ok, la boule de feu, je parie, mais de quel côté tu veux la mettre? Eh bah voilà, tu m'en fous, je m'en fous. De toute façon, je te défonce. Bah voilà. Putain, c'est génial. Oh là là. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas fait des bons petits combats comme ça. Enfin, longtemps... Une ou deux semaines, enfin bon. Ça fait plaisir. Voilà donc du coup, malheureusement, j'ai pas la fin de la vidéo. Pourquoi? Bah parce que sans faire exprès, j'ai un peu éteint mon enregistreur. Donc le truc, c'est qu'il y avait le coffre à couronne que j'ai pas pu du coup avoir. Bah, bon, je crois que si je me rappelle bien, c'était pas exceptionnel, mais je m'en rappelle plus. Donc je saurais pas vous dire, mais je crois que c'était pas exceptionnel. Sinon, je pense que je m'en rappellerai. Alors là, juste comme ça, je suis en train de me faire défoncer avec le Zappy... Zappy, putain, comment ça s'appelle? Zappy sortier. Je pouvais rien faire, j'avais rien du tout. Enfin bon, je venais d'envoyer ma Valkyrie et mon cochon, donc je pouvais vraiment rien faire. Oh, regardez-moi ça. C'est horrible. Enfin bon, et donc du coup, le truc c'est que j'ai pas la fin de la vidéo, donc bah, j'en suis désolé. Mais le truc c'est que j'ai aussi eu un coffre magique. J'ai aussi eu un coffre magique, donc du coup, bah, pour le prochain pack opening, donc dans 2 jours, et eh ben il y aura comment ça s'appelle, un coffre magique. D'ailleurs, ma petite réaction, ça a été, ouais, mais bon, je suis déçu. J'aurais préféré un coffre super magique. Et puis après, j'ai dit. Mais de toute façon, le coffre Super Magic, c'est une légende, ça a été créé par Supercell, on peut pas en gagner, c'est une... Au début, j'avais dit un conte de poney, tu vois, j'avais fait exprès de dire de la merde, un conte de poney, puis après j'ai dit, ah non, désolé, c'est un conte de fées, je me suis trompé. Enfin bon, j'avais dit de la merde et tout. Malheureusement, ça a pas record, c'est pas très grave. Et donc du coup, ce que je vais faire,
c'est que je vais vous laisser sur ce d'ici 15 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes, enfin bon, et mais bon. Donc le truc, c'est que du coup, on aura un pack opening plutôt bien normalement dans 2 jours, et moi je vais vous laisser sur ce, voilà, on a terminé le petit combat, défaite c'est pas très grave. Et donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.